Ah, c'est le sujet dont tout le monde parle en ce moment, puisque vendredi prochain, qui l'ignore, Kate va épouser William en Grande-Bretagne. Sauf que le sujet était très précis pour Olivier de Benoît. Le sujet, c'était, voilà ce qu'on lui a dit de faire, le choix des chansons pour la soirée de mariage, non pas de Kate et William, mais d'Albert. Pardon, je me suis trompé de mariage. C'est pour grave, Albert. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pareil. Oui, mais c'est aussi drôle. C'est aussi... Bon, en tout cas, voilà, vous êtes chargé de choisir les chansons pour le mariage ou d'Albert ou de Kate et William. Attention, dans 30 secondes, vous téléphonez ou vous envoyez un texto pour ODB. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Le trésor. J'ai appris que dans les contes de fées, le prince se mariait puis il avait beaucoup d'enfants. Apparemment, le prince Albert avait fait le contraire. Je ne comprends pas pourquoi le prince Albert se marie. Pourtant, il avait tout pour être heureux. En tout cas, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il se marie le 2 juillet, il a encore 2 mois pour renoncer. Pour l'accompagner dans ce deuil, je me suis lancé dans l'animation avec un ami. Mais le problème, c'est que cet ami, je ne l'ai pas vu depuis 2 mois, il me manque terriblement. Je ne sais pas où il est, je le cherche partout. Mais où il est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? À l'aide! Ah, mais... Oh, oh. J'étais là, ça fait 3 mois que je suis coincé dans le décor du Moulin Rouge. 3 mois dans le décor. Dans le décor? Ouais, mais en même temps, j'aurais dû écouter ma mère, elle me l'avait dit. Elle m'avait dit, attention Kevin, hein, si tu continues à faire tes conneries, tu vas finir dans le décor. Hein. Voilà. Mais t'as pas appelé à l'aide? Mais si, j'ai crié, depuis 2 mois je crie, je dis, il y a des jeunes, il y a des vieux, j'aimerais sortir d'ici avant mes 35 ans. Il y a même Jean-Ben Guigui, il est passé, il m'a vu dans le trou, hein, il a fait... Oh non. Je m'en doutais. Oh, je suis content, Kev. Allez, on va pouvoir le faire. Albert, Charlène. C'est marrant parce que comme vous, nous aussi, on a 20 ans d'écart, quoi. Un petit con, va. Pour votre mariage, si vous nous choisissez, voilà ce qu'on vous propose. Envie de faire la teuf? On s'occupe de tout. On s'occupe de vous. Nos références parlent pour nous. Les frères Bogdateuf. Nous, on a choisi les frères Bogdateuf pour notre mariage, ils sont géniaux. Et jusqu'ici, ça nous a porté chance. Des centaines de mariages réussis. Un mariage exceptionnel. Oui, ma Carlita, ça, on peut dire que c'était vraiment... Vraiment très bon, les Bogdateuf. Inoubliable, là. Les frères Bogdateuf pour faire la teuf. Communication offerte, faites sonner 3 fois, on vous rappelle. N'hésitez pas, on vous attend. Et après, on nettoie tout. Charlène, c'est un aperçu que pourriez avoir si vous nous choisissez. Pour votre mariage, alors regardez cet aperçu et imaginez. <rire> 18h, arrivée des enfants et sculpture sur ballon. Ah, si c'était aussi simple, Jean. C'est du plastique. Il est fier parce que c'est la première fois qu'il s'ouvre dans un ballon sans qu'il change de couleur, en fait. Bon, alors allons-y, Laurent, quel est votre animal préféré? Le chien. Un chat. Un chat. Un chat. Un chat. J'en profite.
Tiens, Laurent, ce sera plus facile à transporter. Je confirme. À 19h, accueil des invités internationaux. Bandou, bienvenue, accueillir mariage. Allez-y, suivez tout droit, le chien est sur le buffet, allez-y. Monsieur Jackie Chan. Bonjour, bienvenue, allez-y, suivez le tapis, tout droit. Merkel. Dobrý den, doufám, že se vám dobře daří, jsem rád, že se vám poznávám. Ukončete výstup a nástup, že se zarivali. C'est pas possible. Désolé, mesdemoiselles, apparemment, ce soir, exceptionnellement, les prostituées sont interdites. Hein, Je suis désolé. Oh, regarde qui arrive. Dobrý dače, chambre 312. Ouais, bonjour, ça va bien? Oh, ouais, ça fait longtemps, ouais, carrément. Monsieur Ruquier. À 20h, une fois le cocktail terminé, vous vous rendrez au dîner en volant. Ça va arriver, on va voler, bientôt. S'enverrait en l'air, là-haut, très haut. Un trampoline? Ah, t'es trop jeune pour comprendre, Kev. Une partouze? Ah bah si, il comprend. On avance, les gars, on avance. Allons-y. Un peu plus fort. Salut, vous me déposerez à la boulangerie, les gars. On se retourne. Waouh. Pendant le dîner... Pendant le dîner, de table en table, des artistes prestigieux. Chafouin. Non. C'est pas le bonheur. Moi, je rêvais d'amour. Aujourd'hui, j'en ai plus le cœur. J'ai laissé cuire le poisson paré. J'ai laissé C'était Christophe Maé. Mesdames et messieurs, Jean-Michel Jarre. Et pour conclure, l'ouverture du bal avec la célèbre valse dans de tradition monégasque. Et voilà. Là-bas. Moi, c'est là-bas. Musique. Merci beaucoup, c'était génial. Je ne vais pas monter en haut pour des raisons de... Technique. Parce que je suis un salaud, je vais pas monter en haut, j'ai pas envie de... C'est direct, surtout pour les vides, Kev Adams. Ah, okay. On peut l'applaudir, c'était Kev Adams. Merci bien.
Olivier de Benoît, Kev Adams. C'est bien Kev Adams. Rappelez-moi le nom du petit jeune, là, qu'on a vu. C'est plus facile à jouer qu'avec un poney. Les notes de tout le monde. Et évidemment, au standard, il vous reste même pas 30 secondes hein, pour téléphoner pour Olivier de Benoît et Kev Adams. C'est la fumée hein, qui nous fait tousser, rassurez-vous. Attention, c'est parti. Ah ça, je pense qu'ils vont vous appeler, Albert et Charlène. Ah oui. Parce que si vous mettez l'animation comme ça à Monaco, comme vous l'avez mis sur ce plateau, ça devrait fonctionner. Voici vos notes. Jean-Luc vous donne 20. Catherine Barma, 20. Jean-Benguigui, 20. Arrêtez, on va revenir après. Non. Il nous reste très peu de temps. Il nous reste très peu de temps. On est en direct, il reste très peu de temps. Alors, juste un mot, 20, parce que voilà, c'était la fête, vous avez mis le feu sur le plateau, on était super heureux de revoir Kev Adams. Des surprises comme ça, on en demande tous les jours. Donc bravo Olivier pour cette générosité de partager ce sketch avec vos camarades. Kev Adams sera au Casino de Paris du 25 au 30 octobre et il est reparti en courant parce qu'il tourne une série qui sera bientôt sur notre chaîne. Donc merci à lui et j'espère que c'est pas la dernière fois. Voilà. Voilà, mais non, merci, on est tous contents de revoir Kev. C'est Olivier de Benoît et il faut dire qu'il a fait fort. Il avait trouvé mieux qu'un poney, il avait trouvé Kev Adams. C'est salaud ça quand ça, c'est même. Drôle. Hein. Ça c'est drôle. Ça. Alors attention, voici la note que les téléspectateurs, alors que dans les gradins, on vous a donné 19, Olivier, ouais, 19. Merci, public. Mais, c'est incroyable. Mais ce n'est pas cette note-là qui compte. Celle qui compte, c'est celle-ci. Au standard de France 2, vous avez obtenu 18. Ouais. C'est vous le gagnant. Olivier de Benoît, bienvenue dans l'équipe à la radio pendant une semaine. Oh, c'est adorable, je suis très heureux. Merci beaucoup. Merci. On a passé une bonne soirée. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là.